Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à FA Championship saison 2000 sur Game Boy Color. Donc ne vous faites pas avoir par le petit overlay Game Boy Light, hein, bien évidemment. Ça marche sur Game Boy Color. Et donc un jeu, vous allez voir, ma foi, fort monstrueux par rapport aux capacités de la console. C'est vraiment un truc de fou, hein. Quand je dis que c'est un truc de fou, c'est... Oh mon dieu. Déjà, regardez. On est sur Game Boy, on a une vidéo en fond. Alors certes la vidéo est au format... format même pas 144p, hein, on doit être un format 25p. Mais on reconnaît la vie de Coulthard, on reconnaît la Williams de Ralph Schumacher, on reconnaît Ed Jordan aussi. Donc c'est parti, alors le son va être assez ignoble. On va faire option. Et on va voir les options déjà que l'on a. Alors... On va désactiver la musique s'il vous plaît parce que ça m'explose les oreilles. Effectivement, ça va être une vidéo très très courte, vraiment, elle va pas durer très longtemps, le temps de voir quelques trucs. Mais voilà, comme c'est sur une vieille console, bon, il n'y a pas grand-chose à montrer spécialement. Mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, on va voir les options. On a le temps qui est variable, pour le temps sec, le temps humide. On verra un petit peu la différence après. On peut choisir le nombre de tours, alors on va laisser 4 tours, c'est très bien. Niveau moyen, on va laisser par-dessus. Gestion de l'essence, on va l'enlever. L'aide au frein, par contre, on va l'enlever. Le contrôle de traction ou sans contrôle de traction, mais vous allez voir que même avec, c'est un petit peu compliqué. On a l'usure des pneus. Les dégâts, on peut les garder. Voilà, sans musique avec bruitage, oui, bien sûr. Et donc, on a droit à la saison 2000 sur Game Boy Color avant la Game Boy Advance. Et vous allez voir, vous allez pouvoir comparer surtout avec le F1 2002 sur Game Boy Advance, justement. Et vous allez vous rendre compte à quel point. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux sur la version 2002. Donc c'est parti, on va faire une course, on va faire un grand prix. On va faire un grand prix et on va choisir donc notre voiture. Alors j'ai enlevé le son de la musique, je pourrais la laisser effectivement, je suis un peu bête, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Donc on a toutes les équipes de la saison 2000, vous remarquez que c'est juste la couleur qui change en revanche, ils ne sont pas embêtés. Mais bon, voilà, quand même les équipes, on a quand même les noms. On a même la BAR de. Ouais, la barre tout en blanche. On va prendre, bah écoutez, peu importe, on va prendre tiens, la Prost de Talisi. On va prendre celui-là. Ah, si je fais à droite ou gauche, je vais prendre celui d'Heidfeld. Et si je fais Start, ça fait OK. On peut sélectionner les voitures. Donc Interlagos, Imola, Silverstone, Barcelone, toute la saison 2000, Nürburgring, Monaco, Montréal, Manicourt, Hungaroring, Hockenheim, Hungaroring, Spa-Francorchamps, Monza, Indianapolis, Suzuka. Et c'est Sepang, donc il y a vraiment de quoi faire. On va faire Monaco directement, vous savez pourquoi. Et regardez, à l'heure 2000, quand était le Grand Prix Silverstone? C'était le quatrième Grand Prix de l'année. c'était quand même particulier. On va faire Monaco. D'ailleurs, Monaco qui était un peu plus tard, du coup. Le 4 juin, on va faire donc, c'est parti. Alors, la météo, et ses courses, il fait beau. On peut voir le carburant. Donc, comme j'ai pas de carburant, j'ai pas besoin. On a des pneus durs et des pneus tendres. On a des pneus durs, parce que vous allez voir que les pneus tendres, en fait, vont pas tenir très longtemps. Alors que les pneus durs tiennent au moins la durée de course. Donc, on va garder les pneus durs. On a le temps restant en piste. Donc, si je fais Start, ça fait OK. Select, je peux voir les réglages de la voiture. Donc, regardez, je peux changer l'appui avant, l'appui arrière, la démultiplication de boîte, l'angle de braquage. Eh, franchement, on est sur Game Boy, les gens. Souvenez-vous-en. La suspension arrière, en plus, c'est très bien fait. Suspension avant, les freins avant-arrière. On peut voir donc la balance, évidemment. Et on peut voir aussi l'impact que ça a autour. Donc, ça, c'est cool. La garde au sol. Donc, là, on a un Monaco. Donc, du coup, on va mettre la garde au sol au maximum. On va monter. Je pense qu'au niveau des ailerons. On va mettre au maximum parce que tout simplement il nous faut le plus d'appui pour Monaco. Voilà, donc on a une bonne accélération d'adhérence. Et l'adhérence, c'est bizarre parce que. Ah, et voilà, en fait, c'est au maximum que j'aurais dû le faire. C'était ici. Voilà, on a une bonne adhérence. Garde au sol, on laisse comme ça. On va mettre l'angle de braquage, ok. Suspension, on va laisser par défaut. Quoique, attendez, ça augmente la vitesse et le freinage. Ça augmente l'adhérence. Je vais mettre moyen à peu près ici. Non, c'est plutôt là. Voilà. Et on va faire start, c'est OK. Donc on a le classement des qualifications, il reste 60 minutes, donc on a vraiment des qualifications. On peut voir le classement avec beau haut et bas, bah évidemment la position que laquelle on occupe. Donc on va faire A pour arriver en piste. Et donc bienvenue à Monaco. Ah, je suis à 168, alors je pense que c'est des miles par heure, hein, ça n'a pas des kilomètres. Et on arrive au point de virage avec la montée qui n'existe pas bien sur Game Boy. On va peut-être pas déconner quand même. Alors on est sur Game Boy.
Et voilà, le virage à droite. Voilà, attention. Oh, je suis parti à la faute. Et ouais, je suis accéléré trop fort. Donc, je vous laisse quand même, entre parenthèses, admirer ça. Enfin, je vous dis admirer, c'est parce qu'il faut vraiment replacer dans le contexte. On est sur une console portable de 8 bits quand même. Alors, la Game Boy Color était un processeur qui était un peu plus puissant que la Game Boy toute première, la grosse console. Oula, par contre, j'ai vraiment du mal. Qui était, je crois, fréquencé à 4 MHz. Et là, je suis dans le tunnel. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait le tunnel. Donc là, on rentre dans le tunnel. On va arriver à la chicane. Alors, essayez de vous souvenir de la chicane de Monaco pour vous repérer. Voilà, on va passer comme ça. Alors, la chicane de Monaco, évidemment, on se passe plutôt assez rapidement. Donc, logiquement, on a un virage à gauche juste après. Et là, j'accélère trop fort, du coup, je pars encore en tête à queue. J'ai 25% d'essence, et évidemment, en bas, on a quelques indications. Donc, on a le rapport enclenché, on a la voiture, on a la position. Donc, pour l'instant, elle n'est pas affichée parce que, bah, tout simplement, on n'a pas encore fini notre tour. Je suis parti à la faute. C'est repartir, voilà, là on est dans la ligne droite, et du coup l'entrée au stand, voilà. Et ce virage, et après c'est l'entrée au stand. Vous voyez le temps, 1.33 en bas, 1.33, donc j'ai fait le troisième temps, ce qui est assez mauvais. Il me reste encore d'autres tentatives. Donc j'ai fait le meilleur temps, mais il va être battu assez rapidement. On va faire start directement, et on va faire la course. Alors avec mon temps, je pense qu'on va partir dernier, hein, logiquement. Matsekai Delphi, le génie, allez-y, voilà. Donc on part vraiment au fin fond. En plus, on a pris 10 secondes dans la tronche. Donc, vous avez vu les graphismes. Alors, je vais faire une petite coupure. Les graphismes sont quand même très très moches, hein, si on se passe dans le contexte actuel. Mais pour l'époque, franchement, d'avoir un peu de 3D sur une Game Boy Color, les voitures ne sont pas forcément 3D, mais le circuit est vu d'un petit peu plus haut. C'est le défaut que j'avais fait, le défaut auquel j'avais parlé quand on était sur F1 2002, c'est qu'on était en vue trop basse et du coup on n'avait pas le temps de voir les virages. Là, on a autant de chances de les voir et du coup c'est vraiment bien parce qu'on a le temps d'un petit peu de calculer sa trajectoire et de rentrer dans le virage comme il faut et de freiner à temps. On va un petit peu regarder la grille de départ qui est ma foi animée. Quand même super bien fait. Au moins dans la musique, je doute que je la remettrai. mais bon, voilà, De La Rosa, Verstappen, Wurz, Benetton. Bon, c'est la saison 2000, hein, donc au niveau de l'hiérarchie, on est à peu près comme en vrai. Donc on va faire start. Et donc c'est parti. Voyez, un petit peu 3D sur la droite du circuit. Et j'ai fait un départ, ouais, plutôt correct. J'ai un petit peu fait fumer mes gommes. Alors j'ai très peu de vitesse de pointe, puisque vous avez compris, j'ai privilégié la tenue en virage. Et du coup, je vais pouvoir dépasser. Alors, bien entendu, c'est Monaco, mais on va pouvoir passer, regardez, plutôt tranquillement. Ouais, regardez, ça s'est crashé. On est déjà classé 3e. Et Inaros qui est en 3e position. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut reconnaître vraiment les voitures. Et là, il m'a touché, par contre. Et il est parti un peu à la faute. Alors, je suis pas forcément très rapide. Ouh là là, attention. On va essayer de réaccélérer. J'ai du mal à me positionner. Là, on va arriver normalement à l'épingle, regardez-moi ça, il y a des voitures partout, on se touche un petit peu. Oh là, c'est le grabuge totalement, c'est vraiment le carambolage partout. Et là, on va rentrer du coup dans le tunnel qui est fait un peu en 3D. Aïe, je sors du tunnel un petit peu sur le côté. Normalement, je prends le mur hein, dans la réalité, mais là, le jeu est assez permissif. Allez, on va accélérer fort. Oh, attention, il y a mon équipier, on l'a touché. Vous remarquerez aussi en bas à gauche que l'on a la jauge de dégâts. Donc vous pouvez voir ma voiture par exemple, elle est remplie à moitié. Ça veut dire que bah, j'ai quasiment, enfin moitié, un peu moins de la moitié, que j'ai un peu moins de la moitié de la voiture qui est endommagée. Et surtout, regardez à droite, on a l'usure des pneus, avec le flanc légèrement endommagé. Là, je suis allé trop vite dans le virage. Du coup, pour partir, ça va être un peu compliqué. Voilà, on va se remettre en ligne. Et on va prendre la ligne droite, voilà. Et les voitures qui font des erreurs, hein, regardez, c'est pas mal, y a pas que nous qui faisons des erreurs. Même si c'est un petit peu n'importe quoi, vous l'aurez compris au niveau d'IA en même temps. Pour une console comme ça, gérer 22 IA, c'est quasiment mort, faut pas espérer. On est quand même sur une console 8 bits à la base, hein, donc c'est normal. On est 14e, on va essayer de remonter tout ça, regardez, ils se sont crashés. Je disais, l'usure des pneus à droite, vous voyez, c'est le petit rond, enfin, faut le voir vite, avec le rouge et le orange.
Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais c'est quand même pas facile. Je vais te freiner un peu avant. Attention à leur accélération. J'ai ma jauge d'essence, donc là qui est 99% parce que j'ai pas activé l'usure, enfin la consommation d'essence. Et on a le nombre de tours 2 sur 4 à parcourir. Donc là, allez, j'ai voulu passer à l'intérieur, mais c'est mort. J'aurais dû freiner beaucoup plus fort. Attention, parce que là, on le voit, je glisse, hein. Du coup, si j'accélère trop fort, je vais partir en tête à queue. Alors que si je réduis un petit peu mon rythme, ben, je peux quand même passer. Allez, on va accélérer la chicane un peu plus fort que lui. Et on a débloqué la Jaguar. Non, elle est plus rapide que mon vitesse de pointe. Aïe, on a tapé la Rose. Alors c'est vraiment pratique que la saison 2000, toutes les voitures aient quasiment une couleur similaire, enfin pas similaire justement, différente, qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures comme à notre époque, un peu gris, noir ou ce genre de choses, parce que ça permet vraiment de les reconnaître. On aurait fait une saison autre par exemple, on aurait eu du mal. Et donc ces pneus qui sont usés vont être assez problématiques pour nous, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, c'est très difficile de prendre les virages dans un mauvais rythme sans partir à la faute, à cause des pneus justement. Ouais, là je dérape, j'accélère, je ralentis un petit peu. Et c'est assez impressionnant de se dire qu'on est en train de, quand même de gérer notre dérapage sur une Game Boy Color. Franchement, c'est... Je reste toujours surpris par ce jeu. Parce que vu le peu de liberté technique qu'il y a, parce que voilà, c'est quand même très très faible en performance, et ben le jeu est quand même assez cohérent. Alors, je vais essayer de prendre l'accélérateur un peu. Ah, ils sont vraiment plus rapides que moi, on est en mode normal, hein. Je pense qu'ils peuvent aller encore plus vite si on est en mode difficile. Bon après, c'est la première fois que je fais ça, donc... Enfin, la première fois que je fais ce circuit en course, donc pour m'entraîner, voilà, c'est pas évident. Allez, on va... Oh, attention, ça glisse un peu. Ah, à chaque fois, je le prends trop large, hein, ce virage. Il faudrait vraiment que je le prenne dans la meilleure trajectoire pour gagner un peu de temps. Et là, on a une Nine Sauber. Alors, la Sauber, vous voyez, elle est difficile à imaginer, parce qu'elle a deux couleurs. Mais même la couleur secondaire n'est pas trop réelle. D'ailleurs, la Prost non plus n'a pas une couleur spécialement réaliste, hein, parce que c'est pas du violet. Normalement, c'est plus une couleur bleu foncé que du violet, enfin, en tout cas, ce type de violet. Allez, on a fait le troisième tour sur les quatre. On va essayer. J'aimerais essayer de doubler. Voilà. Je pense que c'est une McLaren devant ou peut-être une BR. Je pense que c'est une McLaren, ça. Alors, les IA font des erreurs, vous l'avez vu, elles se crachent, elles se plantent, etc. Mais il y a aussi des abandons. Ce qui fait que pendant la course, par exemple, on pouvait être, on va une bêtise là-bas, comme la 14e. Et gagner une position, parce qu'il va y avoir un abandon mécanique devant nous. Donc ça, c'est pas mal, c'est encore un aspect supplémentaire dans le jeu qui est pris en compte. Je vous propose après, on va voir d'ailleurs un autre circuit, et on va voir un petit peu la pluie. Alors là, j'ai plus de pneus, hein. Donc là, ça va être compliqué. Après, c'est compliqué aussi pour les IA, ce qui fait que même nous, là, si on est à la rue, l'IA aussi a du mal. Alors, évidemment, le son est dégueulasse. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. Le son est pas très bon, mais bon, on est sur Game Boy, c'est très très difficile d'avoir des sons cohérents, surtout pour des sons de moteur, hein, qui sont juste des élévations de fréquence pour le régime. Ouais, on l'a passé. Alors, si je termine 14e, je serais plutôt content, je vous avoue, parce que c'était quand même pas... j'ai fait n'importe quoi, bah, du coup, je suis dit ça, que je finisse 16e. On va voir à l'accélération si on peut passer. Et on va finir la course en 14e, 15e position normalement, voilà. Donc on va finir 15e. Et je fais n'importe quoi. 15e position, mais écoutez, c'est pas mal pour une première course, hein, donc on va voir un petit peu sur un autre tracé. Je vais remettre le son, même si pour moi c'est agressif, mais bon, au moins vous aurez un petit peu de musique, ça fera mettre un peu plus d'ambiance. Voilà. Et on va mettre du coup le temps humide pour voir un petit peu la différence. On va faire OK. On va faire Grand Prix. Et je vais essayer de prendre une voiture. On va prendre par exemple, bah, pourquoi pas la Ferrari. On va prendre Barrichello. On va faire Start. Je rappelle qu'il n'y a que A et B, Select Start et les croix directionnelles sur la console. Il n'y a pas touche L et R. Cette fois-ci, on va prendre notre circuit, on va prendre... pas Barcelone, hein, vu la course pourrie qu'on a eu en rue, on va éviter de se la taper plusieurs fois.
Monaco, on l'a vu. On va essayer. Monza, Indianapolis. Aussi Monza, tiens, c'est pas souvent qu'on teste ce circuit. Alors évidemment, au niveau des pneumatiques, on va pas mettre des pneus secs, hein, regardez des pneus pluie. On va donc faire temps accéléré. Ouais, si je fais temps accéléré, il faut que je reste appuyé sur le bouton, regardez en haut, le temps restant défile. Voilà, donc on peut voir les temps autour, une 12, le chemin qui améliore. On va faire A pour entrer en piste à nouveau. Bon, là, il y a une Ferrari, hein, donc logiquement, on n'a pas trop. On devrait y arriver. Et donc, on est à Monza. Alors, je rappelle que la chicane de Monza est un petit peu différente, hein, à l'époque par rapport à celle qu'on a actuellement. J'ai freiné un peu trop fort. On va arriver sur une grande courbe à droite, non? Donc, on peut prendre assez vite. Vous voyez par exemple à droite là, on dirait que c'est la 3D. Je pense que c'est de la 3D, enfin c'est très difficile à savoir hein, parce qu'il y a tellement peu de pixels sur l'écran que c'est difficile de savoir si c'est vraiment la 3D ou un sprite. On a fait la chicane. Voilà, on va ralentir dans ce virage-là. Et on va ralentir ici, accélérer là. Alors c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, on est qu'à 138 miles, je pense que les réglages j'aurais dû les changer. On va faire B pour faire arrêt. Oui. On va faire réglage avec Select. Et là, évidemment, on va changer un petit peu l'appui avant et l'appui arrière. Donc l'appui avant, on va le baisser. Et l'appui arrière, on va le baisser pour avoir le maximum de vitesse. La démultiplication, ça permet d'avoir de la bonne vitesse. L'angle de braquage, on va le laisser. La suspension arrière, on va la mettre. On va la mettre ici. C'est plutôt pas mal. Voilà. Suspension avant. Les freins, on va laisser. La garde au sol, on va l'augmenter. Pour avoir une maximum de vitesse, enfin entre les deux. Et je pense que ça va être bon à faire start. Et on va faire donc un petit tour en piste à nouveau pour essayer de faire un chrono. Donc logiquement, je devrais tourner quand même un petit peu moins bien que tout à l'heure. Ah là, ce son qui fait du bien aux oreilles. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop le son trop fort. Moi, il est vraiment très fort. Hein. J'ai baissé un petit peu pour vous, mais voilà. Et je me rends compte en fait depuis tout à l'heure, je freinais avec les mauvais boutons, donc c'est pour ça que j'avais du mal à ralentir. Ah là, ça glisse, et normalement ça passe pas. Alors que tout à l'heure, ça passait largement hein, dans le virage. Par contre, en vitesse de pointe, logiquement, ouais, je suis à 156, c'est pas non plus exceptionnel, mais peut-être que ça devrait suffire. Allez, on arrive à la chicane. Et normalement, on a encore un virage à droite, hein, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. On va essayer de faire un run entier. Alors, je vous accorde quand même que, même si ça reste un jeu un petit peu mieux, pour moi, c'est un jeu mieux fait que le 2002. Hein. À l'époque, il fallait vraiment être motivé pour jouer à Life 1 sur Game Boy, sans déconner, parce que. Bah, vous à côté, vous avez une console Game Boy Color. On a à l'époque déjà des consoles 32 bits, donc franchement, jouer un jeu de Formule 1 sur une console 8 bits alors qu'on a la 32 à côté, voire 64 avec la Nintendo, il n'y a pas grand intérêt spécialement, si ce n'est avoir un côté portable. On a fait une 20, donc c'est pas énorme. On va faire start. On va tester ce son désagréable. On va du coup faire start pour les qualifications. Voilà, on va garder les pneumatiques comme ça. On va faire OK. C'est déjà un peu mieux. Au niveau de la musique, c'est déjà un peu mieux. Voilà, je monte un petit peu la grille de départ et histoire 2. Et puis après, on va démarrer. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va faire un bon départ? Bon, on va dire que le départ était bon. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à jauger au départ, mais bon, on sait jamais. Ah, Schumacher a une crevaison, là, ça commence bien. On va arriver dans la chicane. On est qu'à 138 km/h, mais j'ai dû mal régler la voiture, c'est pas possible. Oula, attention, il y a du rabuge devant. Souvenez-vous, Monza 2000, hein, avec le gros carambolage avec Frenzen.
Frenzen, Trulli, Coulthard, je crois qu'il y avait aussi. Oui, il y avait Verstappen qui était parti en tonneau derrière. Barrichello, je l'ai dit. Enfin, il y avait un beau, beau carton d'ailleurs qui avait causé la mort d'un commissaire. Oh, on est en train de dépasser tout le monde, c'est pas mal. Oh, attention, 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 pas trop se faire rentrer dedans. Ok, on est passé entre les deux voitures. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même le jeu, il passe. Oh là, je me suis fait embarquer par la Jordan. Le jeu est beaucoup moins bien fait graphiquement parlant que 2002, et pourtant, il est beaucoup plus jouable. Parce qu'il est plus cohérent, la caméra est meilleure, et voilà, on a le temps de voir les choses. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'imaginez ce même jeu là, d'accord? Imaginez ce même jeu en mode fin 2002 et des graphismes de Game Boy Advance, bah franchement ça aurait été parfait. Enfin parfait pour l'époque. Ça aurait été très intéressant alors que là c'est vraiment compliqué. Oh, je me fais accrocher parce que j'ai pas de vitesse de pointe en fait, du coup j'ai du mal à tourner. Oh, il va y avoir une voiture qui est partie à la faute. C'est la Jordan, on va essayer de dépasser la Sauber à l'accélération. Non. Ça va passer si au freinage. Ok, bonne accélération. On est 17ème, on est très très loin. Bon, on a un chemin sur le côté. Vous avez vu que les voitures qui ont abandonné restent sur le côté de la piste. La console enregistre le fait qu'il y a une voiture qui a abandonné à cet endroit et elle sera affichée tout le temps. Un peu comme la pluie qui se met en crustacean. Alors, les baisses de framerate est assez énorme quand même. Hein. Faut pas, le jeu est pas forcément fluide à 100%, on sent que la console elle est à bout. Mais franchement, ça va. Hein. Ouais, parfait, on a même dépassé Hakkinen hein, qui est juste 17ème. Regardez devant. On a quelques voitures. J'ai mis Hakkinen dehors, tout va bien. Alors, on va une abandon, réaccélération, on va prendre le virage comme il faut. Et on est 14ème. Alors, est-ce que c'est un jeu que je conseille? Non. Enfin, en tout cas, sauf pour le test, en fait. Je vous conseille de le faire sur une vraie Game Boy, d'ailleurs, tant qu'à faire. Voilà, juste pour un petit peu l'exploit technique. Mais après, c'est pas non plus le jeu de l'année, loin de là, hein. Évidemment, il y a bien un jeu sur Game Boy. De toute façon, quand je vous dis, je ne conseille pas les jeux de voitures sur Game Boy. Il y a très peu de jeux de voitures qui valent le coup. Il y en a, hein, mais en tout cas, lui, malheureusement, même s'il peut valoir le coup sur le papier, en tout cas par rapport à sa technique, bon, c'est pas non plus transcendant, hein, faut pas déconner. Allez, la réaccélération, la sortie, et j'essaie de passer là. Non, il va même passer les meilleures vitesses de pointe. On est hybride à 138 km/h, enfin 138 miles, donc il faut multiplier par 1,6. Et 1,6 miles, 1,6 ça fait. Ça fait pas beaucoup. En fait, il faut rajouter 70 km/h. Je suis à 200 km/h en fait. Ce qui est plutôt lent. Ah, Denise abandon. Oh, ils se sont crashés tous les deux. Merci de m'avoir donné les deuxièmes places. On est 13ème. Et Béton ben, est à 11 secondes. Salaud va nous dépasser, je pense. Hein. Soit que je le vois un petit peu. Comme ça, je suis sûr qu'il pourra pas me passer. Allez, on va prendre ce virage-là. Au niveau des gommes, on est pratiquement mort, mais je pense que ça peut aller. 3 sur 4. Il faudrait que je rentre au stand, mais je sais pas du tout comment on fait. Peut-être qu'il faut appuyer sur Select, je sais pas, ou au bas, je ne. Si j'appuie sur Select, il se passe rien. Donc c'est un petit peu difficile de savoir. Alors j'entrerai bien au stand pour vous montrer. On va peut-être essayer de le faire là, parce qu'on va arriver dans la dernière ligne droite, et du coup, on va arriver. Ce côté-là, on va essayer de. Ah, je me suis trompé, c'était pas ici. C'était pas ici. Si, on va rentrer au stand. Ouais, c'est bon. Alors, on va voir le rentrer au stand. Comment ça se passe? Ok, il nous remet les gommes. On est 19ème. Il répare la voiture. On va repartir. Et on est évidemment reparti dernier, mais bon, ça c'était évident. En tout cas, c'est bien fait, on peut rentrer au stand. C'est automatique. On a physiqué là, de la rose à abandon, panne d'essence. On a moteur cassé pour physiquer là. On est bien en 2000 hein, avec le lot d'abandon assez fort de l'époque. Avec mes gommes, je vais pouvoir remonter. Hakkinen n'est qu'à 3 secondes. Alors, effectivement, là je suis pris dans une vitesse de pointe, mais je pense que dans les virages, je vais pouvoir aller plus vite. Victoire de Villeneuve! Villeneuve a remporté la course sur sa BR. Regardez, ça, je peux quasiment le prendre à fond. Je suis en train de remonter comme un fou. Du coup, on est 17ème. On va essayer de revenir sur celle-là. Alors, la voiture qui a été sur le côté avait déjà abandonné avant nous, donc on gagnera pas de place.
Allez, on a passé la chicane, il y aura encore normalement deux virages, et puis après, bon, la course est terminée. Ouais, j'ai pour le dépasser, je pense, dans le dernier virage. Ouais, bonne accélération. Et du coup, on finit quasiment à la même place, c'était la 14e. Finalement, la restante était plutôt profitable. Alors, les abandons, on a quand même pas mal, hein. On a 5 abandons en 4 tours, ce qui est plutôt beaucoup. Voilà, donc on va faire start. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, vous avez compris le principe, hein. On a à peu près tout vu. Bon, évidemment, le championnat, ça a consisté à faire les courses dans l'ordre avec un classement. Je reviens dans les options pour voir un petit peu s'il y a d'autres choses. Mais donc le temps humide, vous l'avez vu. Alors ça n'a pas trop changé grand-chose. Peut-être avec l'antipatinage, le contrôle traction, c'est plus difficile. On peut mettre en difficile aussi, mais c'était quand même assez compliqué. Mur des pneus, on peut les activer. Donc voilà. Écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été un petit peu courte. En même temps, ce sera un jeu Game Boy. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!